Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder un sujet un peu particulier et plutôt atypique, la représentation de la super vitesse au cinéma. C'est un effet qui est apparu beaucoup de fois au cours de ces dernières années, notamment grâce à l'explosion des films de super-héros. J'ai pas exactement trouvé où cet effet a commencé, mais ce qui est sûr, c'est que ça fait belle lurette qu'il y a des personnages super rapides dans les œuvres de fiction. Et excusez-moi pour l'expression belle lurette, c'est clairement quelque chose du XXe siècle. Moi personnellement, je pense directement par exemple aux cartoons des années 30 avec des personnages comme Speedy Gonzales ou comme Bip Bip de Bip Bip et le Coyote. Et à chaque fois dans les deux cas, le procédé est plutôt simple. On met une espèce de nuage de fumée qui se déplace ultra vite et qui laisse une traînée derrière qui donne une sensation de vitesse. Alors fatalement, en animation, c'est moins contraignant qu'en prise de vue réelle de donner ce sentiment-là. Et donc on va s'intéresser à plusieurs films et à plusieurs personnages qui ont permis de représenter au cinéma ce processus de super vitesse. Déjà, il y a un concept important à prendre en compte quand on parle de super vitesse, c'est celui de la temporalité. La super vitesse ne sera pas représentée pareil si l'on observe quelqu'un l'utiliser ou si l'on est dans le point de vue de la personne qui l'utilise. Là, on observe quelqu'un aller super vite, et là, on est avec quelqu'un qui va super vite. Et donc, dans cette vidéo, on va étudier 4 personnages, et les voici. On va étudier Dash, ou Flash en VF, le gamin des Indestructibles, Flash, où on parlera de temps en temps de la série et du film Justice League, Quicksilver, dans ses deux versions, parce qu'il y a la version dans Avengers, l'âge d'Ultron, et la version dans les X-Men de Bryan Singer, et Superman, à la fois dans Smallville et dans Justice League. Et j'ai envie de commencer par les petits détails que les réalisateurs ont trouvés pour nous faire une idée de leur super vitesse. Tout d'abord, les bruitages. C'est vraiment une partie centrale de la sensation de vitesse. Pense notamment à cette scène des Indestructibles. Elle réussit immédiatement à nous faire comprendre la sensation de vitesse juste avec le son. Évidemment, ensuite, on va assister carrément à son déplacement de visu, donc ça nous permettra de nous faire vraiment une idée de la vitesse du gamin, mais le début de la séquence, c'est uniquement par le son. Hey Speedo! Et je trouve que ça donne vraiment un côté évolutif à la séquence, ce qui est plutôt ludique quand on appréhende de découvrir le pouvoir de quelqu'un. Pour le coup, le bruitage à chaque déplacement de quelqu'un qui va super vite, c'est systématique, tous les films l'utilisent, on a vraiment toujours ce petit son qui correspond peut-être à l'air qui est vraiment évacué rapidement parce que la personne se déplace vite. Donc ça revient par exemple avec les deux Quicksilver, et je trouve personnellement que celui de l'ère d'Ultron est clairement exagéré. Le bruit, il est vraiment ostentatoire, là où par contre celui d'X-Men, il est beaucoup plus léger et plus subtil, et je trouve bien plus crédible. Flash, dans Justice League, il a plutôt un bruitage lié à l'électricité. Et vu que ça matche le visuel, c'est plutôt à propos, parce qu'il y a toujours des éclairs autour de lui, donc ça fonctionne plutôt bien. Dans les petits détails que j'aime bien, il y a le fait par exemple que Flash marche sur l'eau. Ça donne une idée de sa vitesse, tout de suite on arrive à visualiser le fait qu'il va vite, au point de réussir à marcher sur l'eau. C'est un petit détail, mais je trouve ça bien. J'aime aussi le paillasson chez Quicksilver dans X-Men. Le paillasson, il est genre cramé, parce qu'on imagine que le mec va tellement vite dessus, qu'il crée une trace comme ça. Alors si on creuse la réflexion, c'est pas vraiment logique, parce qu'en plus son pouvoir, c'est pas nécessairement d'aller vite. Bon, ouais, de toute façon, on parle d'un personnage qui est capable de changer d'espace-temps, donc je pense que je vais mettre ma logique bien profonde là où je pense. Et parler d'autres choses. Maintenant, on va rentrer dans les détails des techniques utilisées pour nous représenter cet effet-là. La plus commune, c'est celle-là. Faire traverser l'écran ultra rapidement par une forme qui laisse une traînée derrière elle. C'est pas très coûteux, ça représente efficacement la vitesse, mais faut l'avouer, c'est quand même pas extrêmement folichon non plus. Ça peut être plus ou moins bien fait, clairement sur certaines séries télé comme Smallville, ça manque vraiment de budget, et ça fait vraiment pauvre, on sent que les plans sont juste là pour réussir à nous fournir l'information que Clark Kent va super vite, plutôt que de nous faire réellement rêver avec ce pouvoir qui est super cool. Mais encore, je trouve que dans Smallville, ça passe parce que ça reste sobre. Le problème, c'est genre dans Flash, où là, ils ont décidé de partir en mode full CGI. Alors, ça leur permet d'ajouter du mouvement et de créer quelque chose de certes plus dynamique, mais clairement, ce déplacement dans cette espèce de ville en CGI, ça donne vraiment l'impression d'être dans SimCity 2000, quoi. Traversé par des lignes rouges et jaunes. Donc c'est un peu douloureux pour les yeux, mais encore une fois, on comprend le principe, on comprend que le personnage va super vite. Mais on prend pas vraiment notre pied. Enfin, moi, en tout cas, je le prends pas quand je regarde ça. Mais vous allez voir, c'est pas là que les séries télé sont le plus dégueulasses. Alors avec plus de budget, on a par exemple Avengers. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'avec un peu de thune, on arrive à créer des séquences plutôt sympas. Moi, par exemple, j'aime beaucoup ce plan de Quicksilver qui traverse toute une rue en défonçant tous les robots sur son passage. Donc ils arrivent à avoir quelques plans cool, mais il y a aussi quelques plans que je trouve fondamentalement ridicules. Notamment dès que Quicksilver a des interactions avec d'autres personnages.
Genre là, ils passent à côté, ils leur donnent des espèces de coups de coude qui leur font faire des pirouettes. Ouais, c'est pas extrêmement convaincant quand même. Dans cette technique-là, pour accentuer le réalisme et l'identification au personnage, les réalisateurs utilisent souvent une variation de vitesse au milieu d'un plan, ce qui permet donc de ralentir et d'apercevoir le personnage pour vraiment bien l'identifier. Donc soudainement, le personnage apparaît et hop, il redisparaît dans la foulée. Et le dernier exemple, c'est Flash dans Justice League qui, pour le coup, donne vraiment l'impression de se téléporter plus qu'autre chose. Mais ce qui ajoute une réelle plus-value à tout ça, c'est l'interaction avec le décor. Avoir des feuilles qui volent, un panneau qui tombe ou de la neige qui est balancée, et bien tout ça, ça accentue une forme de réalisme et donc on y croit encore plus. Ensuite, autre technique, le plan subjectif du personnage qui va super vite. Alors ça a le mérite de pas être extrêmement coûteux parce que suffit juste d'aller sur un véhicule qui va très vite et de filmer et de faire croire que c'est le personnage, ou même d'accélérer un peu tout ça en post-prod, et ça permet rapidement d'adopter le point de vue du personnage et donc de ressentir un peu cette sensation de vitesse. Donc ça va revenir très souvent, mais de manière très rapide. Dans Avengers, c'est l'un des rares plans où l'on adopte le point de vue de Quicksilver. Et c'est un plan, mais ultra furtif. Souvent, en fait, ce sont des plans très courts qui servent juste de transition d'un espace à un autre. Comme ici, dans Les Indestructibles, où on quitte la jungle par ce plan. Ensuite, un autre plan qui revient très souvent, c'est le plan face au personnage en pleine course. Et c'est vraiment là que les réels ennuis arrivent. Car là, il s'agit pas de juste rajouter une espèce de petite trace sur un paysage, mais d'incruster un personnage en mouvement dans un environnement totalement irréel, à savoir un monde qui bouge à une vitesse aberrante. Donc, forcément, sans moyens, ça peut rendre vraiment dégueulasse, comme ça. C'est vraiment dégueulasse. Et quand t'as pas de moyens mais que tu veux pas faire trop dégueulasse, tu peux faire comme dans la série Flash où tu vas noyer le poisson. Tu fais défiler des lumières tellement rapidement que ça devient difforme, tu balances des éclairs et du noir, et hop, ça passe beaucoup mieux parce qu'on voit pas du tout ce qui se passe, on comprend juste que ça défile très vite. Donc c'est potentiellement la meilleure option quand t'as pas de thunes, faut mieux s'inspirer de la série Flash que de la série Smallville. Et d'ailleurs, même avec un budget énorme, on va retrouver quasiment la même méthode dans le film Justice League. En fait, c'est propre au personnage de Flash qui va tellement vite qu'il pénètre presque dans une dimension particulière où rien n'est visible. Je trouve que Quicksilver dans l'ère d'Ultron s'en sort plutôt bien, notamment parce qu'ils ont été plutôt sobres et que la vitesse à laquelle ils se déplacent ne semble pas excessive. Ce qui permet une incrustation qui fonctionne vraiment pas mal. On arrive à voir le personnage et le décor et à prendre en compte sa vitesse. Là où pour moi ça fonctionne le mieux, c'est dans les X-Men, notamment parce qu'ils exploitent les deux temporalités. On le voit aller super vite avec un décor qui défile parfaitement, le fait que le vent lui modifie le visage, il y a vraiment une immersion totale et la temporalité où tout est ralenti autour de lui qui offre vraiment un effet super cool et qui permet de encore mieux apprécier ce pouvoir. Les Indestructibles utilisent beaucoup ce plan, mais fatalement, vu que c'est de l'animation, il n'y a pas de problème d'incrustation, c'est beaucoup plus harmonieux que dans tous les films que je viens de citer. Mais étrangement, on a quand même l'impression que le personnage va beaucoup moins vite. Et c'est vrai, Flash est le personnage le moins rapide de tous ceux que j'ai cités. Mais là-dessus, j'en parlerai un peu plus tard. Dans le premier Superman de Richard Donner, ils ont clairement mis l'acteur sur un véhicule qui allait à vive allure, et ils ont filmé uniquement le haut de son corps pour donner cette illusion qui va super vite. Quand tu te cantonnes au haut du corps, ça va, mais dès que tu décides de filmer de plein pied, et donc de filmer les pieds, là, ça devient réellement problématique. Parce qu'en fait, il y a vraiment un problème d'interaction entre les pieds et le sol. Et là, on va rentrer dans le moment de la vidéo où je vais perdre quasiment tout le monde. Mais écoutez, c'est pas grave, je tente le coup, donc accrochez-vous. Comment fonctionne en fait le pouvoir de chacun? Parce qu'en fait, la super vitesse, c'est juste un état, mais la manière d'y arriver n'est pas la même pour tout le monde. Le plus simple à comprendre, c'est le personnage d'un indestructible, Flèche. Grâce à la séquence de fin où il court le 100 mètres, on comprend qu'en fait, il est juste capable de bouger les jambes de manière extrêmement rapide, ce qui lui permet de courir super vite. Donc il va faire des pas très rapides pour couvrir beaucoup de distance en peu de temps. C'est un peu le même principe que Bip Bip le Coyote ou que Speedy Gonzales. C'est ce qui lui permet de marcher sur l'eau, parce que le contact avec l'eau est tellement rapide que il n'a pas le temps de s'enfoncer. Et c'est ce qui lui permet par exemple aussi de pousser sa mère qui se transforme en bateau. C'est une phrase hyper bizarre, parce que voilà, il bat des pieds tellement vite qu'il fait quasiment l'équivalent d'un moteur. Mais tous les autres que j'ai cités, c'est pas du tout comme ça que ça se passe en fait. Alors sauf Quicksilver dans Ultron qui honnêtement semble posséder quasiment les mêmes capacités. Enfin je veux dire, il semble juste réussir à se déplacer super vite, mais il donne pas l'impression d'avoir une vraie perception du temps différente de la nôtre. En tout cas dans la mise en scène, on se rend jamais compte qu'il vit à une temporalité différente de la nôtre. On a juste l'impression qu'il est capable d'aller super vite, et qu'il arrive à gérer ça, quoi. Alors que les autres, pour le coup, c'est quand même beaucoup plus compliqué à concevoir. Les autres, donc Flash et Quicksilver et Superman, semblent avoir une perception du temps qui est variable, et qui est donc différente de la nôtre quand ils le décident. Donc ils vont se mettre dans une temporalité différente, où ils vont agir normalement, mais vu qu'ils sont pas dans la même temporalité que nous, ils bougeront hyper vite, dans notre temporalité à nous. Et c'est vraiment là que je perds les gens. Et donc fatalement, ce concept-là crée obligatoirement une incohérence quand on décide de les filmer de plein pied, allant à une vitesse effrénée. Parce qu'en fait, une foulée à eux fera toujours la même distance. Là, quand vous voyez Flash courir,
vous avez l'impression qu'en deux pas, il parcourt quasiment un kilomètre. Alors que non, en deux pas, il parcourt toujours l'équivalent de deux pas. Il n'a pas les bottes de 7 lieues, Flash. C'est juste que les deux pas, il les fait en 1/100 de seconde au lieu de les faire en 2 secondes. Donc tous ces plans où l'on voit le personnage courir et le paysage défiler super vite, ils sont totalement paradoxaux. Et je pense que le meilleur exemple pour illustrer ça, c'est le Superman de Richard Donner. Clairement, là, la vitesse de déplacement du corps, qui donc est capable de suivre un train, n'a rien à voir avec la vitesse de déplacement des jambes. On sent qu'il y a une étrangeté qui fonctionne pas, là. Et ceci est d'autant plus criant quand on regarde la dernière méthode utilisée pour nous montrer la super vitesse au cinéma. Parce que justement, il y a maintenant beaucoup de séquences qui décident d'adopter la temporalité du mec qui va super vite. Et donc, on va utiliser cette espèce de super ralenti où le personnage évolue normalement, ce qu'on appelle le bullet time. Et au passage, le premier effet bullet time, il est dans le film Zotz de 1962. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que le personnage principal ne ralentit pas le temps, mais ralentit juste la balle du pistolet. Et pour le coup, l'effet a beau avoir 70 ans à peu près. Non, 60, 50 ans, 62... Quasiment. Ah ouais, quasiment 70 ans. Et ben, il fonctionne encore plutôt bien aujourd'hui. Donc évidemment, l'exemple le plus marquant récent, c'est Quicksilver dans les X-Men de Bryan Singer, avec deux séquences identiques sur le concept, où l'on suit le personnage qui évolue normalement, au milieu d'une temporalité où tout le reste évolue au ralenti. Et c'est quelque chose qu'on a pu apercevoir furtivement dans le Spider-Man de Sam Raimi. J'adore ce plan. Il sera quasiment repris à l'identique, dans Justice League d'ailleurs. Mais avant d'avoir été utilisé dans X-Men, ça avait été plutôt habilement utilisé dans la série Smallville, avec cette séquence qui est plutôt bien faite. Ce côté où tous les joueurs sont d'un coup figés fonctionne vraiment bien. Alors certes, ça manque un peu d'évolution, ils auraient pu bouger un peu plus au ralenti, et ils auraient pu surtout se passer de cette espèce de traînée orange bizarre dégueulasse qui amochit le tout. Mais l'effet, le freeze du temps, fonctionne. Donc au final, ce pouvoir ressemble un peu au pouvoir de la montre dans le film Top Chrono. Ah, vous connaissez pas Top Chrono, mais vestige des années 2000, franchement, mais quelle nostalgie j'ai pour ce film. Il m'avait fait rêver à l'époque. Alors que je pense que si je le reverrais maintenant, je serais un peu déçu. Et donc, dans toutes ces séquences qui utilisent plus ou moins le bullet time, clairement, la séquence de X-Men Days of the Future Past est le haut du panier. Mais pourquoi elle est aussi bien? Déjà, pour amorcer le ralentissement, ils ont filmé avec une caméra spéciale, la caméra Phantom. C'est une caméra qui permet de faire du 125 000 images par seconde. En sachant qu'un film normal, c'est à peu près filmé à 24 images par seconde, donc c'est beaucoup beaucoup plus. Et donc en fait, ça fait que ce plan où l'on passe de la vitesse normale à l'effet bullet time est un effet optique. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est la réalité. Ils ont vraiment filmé à très très grande vitesse, des casseroles qui s'envolaient et une pluie battante. Alors évidemment, il y a beaucoup de plans qui vont utiliser du numérique, mais l'introduction de la séquence, c'est que de l'optique. Mais le fait d'avoir un vrai effet optique pour nous représenter ce temps qui ralentit, ça apporte immédiatement une vraie crédibilité. Et au-delà de ça, la séquence est quand même vraiment inventive et surtout extrêmement généreuse. Par exemple, le fait d'avoir rajouté des gouttes d'eau partout dans la pièce. Et ben ça va permettre une interaction directe avec le personnage, rappelant perpétuellement cette nouvelle temporalité. Il y a un vrai côté ludique dans cette séquence, notamment parce que le personnage s'amuse. On sent qu'avoir ce pouvoir, c'est trop bien. Il est là, il court, il écoute sa musique, ce qui est d'ailleurs totalement paradoxal. Ouais, enfin, si on parle là-dessus, on va commencer à débattre du costume de Superman, par exemple, qui se fait pas trouer par les balles, alors que c'est juste la peau de Superman qui est incassable. Bon, on va oublier ce débat de logique à deux balles. On est de base sur des trucs qui sont pas vraiment logiques, mais c'est pas grave. Donc voilà, le truc, c'est qu'il kiffe être un super-héros. Et voir un super-héros vraiment kiffer ses pouvoirs, eh ben écoutez, finalement, on le voit pas tant que ça. Un des exemples les plus marquants que j'ai, c'est clairement le premier Spider-Man de Sam Raimi, mais depuis, j'ai pas l'impression que ce sont des séquences qui reviennent vraiment dans les films de super-héros. Et donc dans ce film-là, le fait de le voir kiffer, c'est vraiment une bonne chose. Et au-delà de ça, cette séquence est un parfait exemple du principe de préparation-paiement. Durant toute la séquence, le personnage prépare des choses en modifiant la position des agents de sécurité, par exemple, et quand il reprend une temporalité normale, on a un enchaînement de paiements ultra satisfaisant. Donc voilà, tous ces éléments font que cette séquence est vraiment excellente. C'est ultra riche, à l'inverse par exemple de la séquence où Flash utilise plus ou moins le même pouvoir dans Justice League. Oui, vous savez, la séquence où il va pousser l'épée de Wonder Woman. C'est une séquence qui est hyper pauvre en termes d'interaction, et son pouvoir est finalement à peine exploité, c'est-à-dire qu'à part pousser une épée, bah il fait rien d'autre. Donc on a plus ou moins la même séquence, et on voit qu'il y en a une qui arrive à proposer beaucoup plus en partant du même concept. Après, j'ai pas envie de gerber totalement sur Justice League, parce qu'ils ont un bon moment où Flash utilise ses pouvoirs, c'est ce fameux moment où on a le regard de Superman. C'est ce plan qui fait comprendre que Superman a en fait la capacité d'être dans la même temporalité que Flash. Il est vraiment sympa ce plan. Et ben vous savez quoi en fait? C'est une repompe de X-Men Apocalypse.
Durant ce combat où Quicksilver est en train de mettre une énorme branlée à Apocalypse, on a ce petit moment où on comprend qu'en fait Apocalypse est capable de percevoir la temporalité de Quicksilver et réussit même à lui choper la jambe. Donc la séquence de Justice League est potentiellement pompée là-dessus, mais faut avouer que le reste du combat entre Flash et Superman est quand même plutôt intéressant. Ce que j'aime dans ce combat, c'est qu'il permet de comprendre que malgré le fait que tous les deux sont capables d'aller à une temporalité super ralentie, Flash est quand même encore plus rapide que Superman. Superman évolue un peu lentement dans cette temporalité-là, donc on comprend que Flash est encore plus rapide que Superman. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que ça lui évite clairement une mort immédiate. Au-delà de ça, je vais pas m'étendre sur la séquence de Quicksilver dans X-Men Apocalypse, car honnêtement, tout a déjà été fait dans la séquence de Days of the Future Past. Là, en fait, on est clairement dans le syndrome plus-plus. On va ajouter une menace plus grande, on va mettre plus de gens à sauver. Mais pour le coup, là, je trouve que le je m'en foutisme du personnage n'est absolument pas approprié. Ok, d'accord, c'est le personnage, il est cool et détendu, mais bon, il prend le temps de bouffer une part de pizza en faisant du moonwalk, alors qu'il a genre 70 personnes à sauver d'une explosion, et il y en a un qui va crever d'ailleurs dans le tas. Bon, franchement, pour moi, ça dessert le personnage. Il y a un détail que j'aime quand même bien dans cette séquence, c'est la gestion du temps variable, qui fait que quand Quicksilver se déplace plus vite, l'explosion progresse également plus rapidement. C'est évidemment très logique, mais c'est un petit détail que je trouve plutôt pas mal. Donc, pour résumer tout ce schmilblick sur la super vitesse. Super vitesse ne veut pas forcément dire la même chose en fonction des pouvoirs. Certains ont juste des jambes rapides, là où d'autres peuvent carrément changer de temporalité. En mise en scène, c'est vraiment important de choisir la temporalité la plus payante, et à l'image, le plus impressionnant, ça reste quand même d'adopter celle du mec qui va le plus vite. Car au final, dans le cas contraire, on n'a pas fait grand chose de plus innovant que Bip Bip. Et ce serait quand même pas mal de trouver un peu autre chose que l'effet bullet time, pour nous montrer quelqu'un qui va plus vite que tout le monde. Alors je sais que là tout de suite ça paraît inconcevable, mais écoutez, c'est le principe de penser à quelque chose qui n'a pas encore été conçu. Voilà, mais je suis sûr qu'il y a d'autres moyens de montrer ce sentiment de super vitesse sans faire systématiquement du bullet time. Même si c'est super cool le bullet time, peut-être qu'on peut essayer de tenter autre chose. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo, merci énormément de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'est un sujet atypique et j'ai adoré le traiter pour vous le faire un peu découvrir. Avant de vous quitter, je vous prends un peu à partie pour vous dire que les meilleurs scénaristes d'Hollywood, le programme humoristique que je fais avec David de The Film Talker, eh ben, ont ouvert leur Tipeee, donc vous pouvez nous aider à financer un peu ce programme et à faire en sorte que on fasse de plus en plus d'épisodes et des épisodes de meilleure qualité grâce à l'argent que vous allez nous donner potentiellement. Et merci beaucoup à ceux qui nous ont déjà donné quelques tips. Ou pas mal de tips d'ailleurs. Donc voilà, le lien Tipeee est quelque part, vous pouvez y aller. Et même si vous ne donnez pas sur Tipeee, vous pouvez quand même mettre un pouce vers le haut, vous pouvez vous abonner à cette chaîne si vous avez aimé cette vidéo, il y en aura d'autres qui vont arriver un peu dans la même veine, et vous pouvez évidemment partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Franchement, ça m'aide beaucoup, et ça fait en sorte que cette vidéo se propage sur Internet, et ça fait toujours plaisir de voir une vidéo prendre son envol, et aller dans les recoins du web où les gens ne s'attendaient pas à tomber dessus, et découvrent des choses, et apprennent des choses grâce à cette vidéo. Donc voilà, faites-le, c'est vraiment super cool. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, je l'ai déjà dit, et on se retrouve très vite pour une prochaine, et d'ici là, bonne toile !